Donc, dans là, je m'assois par terre comme ça pour te montrer. Tiens, ouais, approche-toi comme ça. Non, toi tu t'approches comme ça, assois-toi comme ça, je vais te montrer ici. Ah, papa. Assois-toi comme ça, devant la table. Hein. Je veux une bonne position. Pousse-toi un peu. Pousse-toi un peu. Voilà. Est-ce que tu es là? Oui. Oui, alors on va lire de la Bible. Oui, attends, d'abord j'arrange ta jupe. Hein. Une sœur doit toujours couvrir. Bien ses cuisses. Ses cuisses, voilà. D'accord. On y va. Alors. Oui. Ça, c'est mon papounet qui va me lire l'histoire. Hein. Mm-hmm. Bon, on commence par là, papa. Ok. Là, ici, c'est au commencement. Au commencement, seul Dieu était là. Oui. Tu vois? Attends, papa. Hein? Là, comme ça, la caméra, voilà, c'est là. Voilà. Au commencement, seul Dieu était là. Et Dieu a créé le monde entier. Tu vois le monde entier là? Tu le vois, il est tout entier. Hein? Oui, tu vois. Qu'est-ce que tu remarques là? Je vois des oiseaux. Oui, montre-moi les oiseaux. Ils sont où? Oui. Et tu vois encore quel animal? Les grenouilles. Où sont les grenouilles? Là. Oui, là, c'est une grenouille. Hein? Oui. Ça, c'est le zèbre. Là, ce sont des chevaux sauvages, tu vois. C'est Dieu qui les a créés. Et là, c'est le rhinocéros. Le rhinocéros. Oui, et le rhinocéros. Là, je vois le flamant rose. Oui, ça, c'est le flamant rose. Bien dit. Le flamant rose. Ciel. Ok. Là, c'est quoi? Le soleil. Le soleil. Et ça, c'est quoi, là, tout au fond? La montagne. Les montagnes. Et là, c'est quoi, ça? Les arbres. Les arbres. Donc, c'est la forêt. Donc, et Dieu... Et c'est des feuilles. Oui, c'est des fleurs. Et des fourmis. Oui, c'est des fourmis. Là, c'est un insecte. Ouais. Mmh. D'accord. Et tu vois, on continue en disant... Tout est beau. Oui. Dieu a créé l'eau et le ciel. Il a créé les fleurs... Et les arbres. Mais il a dit pour créer l'eau, il a mis des eaux. Hein? Oui. Il a mis des eaux. Oui. Donc Dieu a créé l'eau et le ciel. Il a créé les fleurs et les arbres. Il a placé le soleil dans le ciel. Oui. Il a créé les poissons et les oiseaux. Oui. T'as vu, hein? Ensuite, Dieu a créé les gens. Éteins d'abord ça, pardon. Ensuite, Dieu a créé les gens. D'abord, il a fait... Est-ce que tu es concentré avec moi, là? Qu'est-ce que j'ai dit? Ensuite, Dieu a créé des gens. Oui. Et il a... D'abord, il a fait un homme. Un homme. On l'appelait comment? Adam et Ève. Adam. Et comme Adam était seul, il avait créé une femme, Ève. Ève. Et Ève, c'était qui pour Adam? La femme de Adam. D'accord. Et quand Dieu a appelé les animaux, il les a amenés vers Adam. Il a demandé à Adam de faire quoi? De les donner tous des noms. Il leur a donné des noms. Donc c'est Adam qui a donné le nom à cet animal. C'est quel animal ça? L'éléphant. C'est l'éléphant. Et qui est sur la tête de l'éléphant là? Le singe. L'éléphanteau. L'éléphanteau. Tu vois encore quel animal là? Le perroquet. Ah, le perroquet, oui. Oui. Tchamima, bonsoir, comment tu vas? Voilà, tu remarques encore quel animal? Les oiseaux. Les girafes. Oui, où est la girafe? Touche-la, je veux la voir. Oui. Quoi et encore? Aussi une tortue. Une tortue, touche la tortue. C'est Dieu qui a créé la tortue et qui a donné le nom à la tortue? Adam. Tu vois encore quel animal là? Les zèbres. Le zèbre, touche le zèbre, on voit. Parfait. Il y a encore qui? Je vois le... Ça c'est le raton laveur. Hein? Raton laveur avec... Le pangolin. Oui, un pangolin. Et attends, Eve, là, elle a un animal entre ses mains. C'est quel animal? Quand j'ai oublié le koala. Le koala, oui. Elle a dans sa main un koala. D'accord. Et un lézard. On a un lézard vert. Quelle est la couleur du lézard? Il est vert. Il est vert? Mais pourquoi il est toujours comme ça? Mais il est furieux. Oui, il est furieux. Pourquoi? Le zèbre, il a combien de couleurs? Le zèbre, il a combien de couleurs?
il a deux couleurs. Quoi et quoi? Il a le noir et le blanc. Le noir et le blanc. D'accord. L'éléphant, lui, il a quelle couleur? Juste le bleu clair. Non, le gris. Le gris, d'accord. Et la girafe, elle a quelle couleur? Elle a l'orange et le bleu. Et le beige. Le beige, parfait, c'est vrai. D'accord, on continue. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, alors Dieu les a chassés du joli jardin. Oh, que c'est triste. Oh là là. T'es pas triste, c'est trop triste. Bon, ouais, c'est triste. Alors, le lézard, pourquoi il était toujours là? Le lézard, pourquoi il est toujours là? Oui. Ah, parce qu'il était dans le désert, dans le jardin. Alors, on dit que Adam et Ève ont désobéi à Dieu, alors Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Pourquoi est-ce que Dieu les a chassés du jardin d'Éden? Parce qu'ils ont désobéi et ils ont mangé le fruit que le serpent l'a dit, parce qu'ils croyaient le serpent alors que le serpent avait dit que Dieu vous trompe. Oui, donc le serpent leur a dit de manger du fruit défendu, tu vois. Dieu leur avait dit, vous ne mangez pas du fruit de cet arbre-là. Et puis un jour, le serpent a dit à Ève de manger, tu vois, de manger. Que manger, c'est très bon. Oui, que c'est très bon. Et la Bible dit que le fruit, il était agréable à la vue, hein, tu t'en souviens? Oui. Et qu'il était bon, hein, qu'il était bon à manger. Oui, mais il était bon, mais il était mauvais parce que Adam et Ève ne savaient pas qu'il y avait quelque chose de mal dedans. Oui, le péché. Alors qu'elles ont mangé, Dieu s'est fâché. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a punis. Mmh. Et leur punition, la première punition de Ève, c'est que Dieu avait dit que Ève va faire un bébé avec souffrance. Oui, et toutes les femmes aussi, c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vois, les femmes qu'elles font des bébés, elles les font avec souffrance, elles pleurent. Donc quand tu vas grandir, quand tu as fait ton bébé, tu vas pleurer. Mais ça va, toi tu ne vas pas pleurer. Hein? Toi tu vas faire ton bébé, tu seras très contente. D'accord? Oui, tu seras contente parce que tu es la fille de Jésus-Christ. Hein? Tu es la fille de Jésus-Christ, hein? Voilà. On ne se fâche pas. Et donc, on dit, quel triste jour. Adam et Ève n'ont jamais pu retourner au jardin d'Éden. Tu vois, quand Dieu les a chassés, ils ne sont plus jamais retournés dans le jardin d'Éden parce que Dieu est resté fâché contre eux. Et on dit, des anges avec une épée enflammée les en empêchaient. Genèse chapitre 3. Alors, pourquoi Adam et Ève ont-ils quitté le jardin? Parce que Dieu les a punis. Dieu les a punis pourquoi? Parce que ils ont désobéi. Ils ont désobéi à qui? À Dieu. En faisant quoi? En mangeant le fruit qu'il ne fallait pas manger. Le fruit qu'il ne fallait pas manger. D'accord. Quand Dieu nous interdit quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit respecter. On doit respecter. Voilà. Parce que chaque commandement que Dieu donne, c'est pour notre bien. Et c'est pour notre santé aussi. Oui, c'est pour notre santé aussi, exactement. D'accord. Et ça peut tourner une autre page. Et tu me promets, c'est la dernière page pour ce soir, ok? Hein? Tu sais, demain, tu dois t'entraîner. Parce que dimanche, on a un grand culte. Tu vois, c'est un grand culte prophétique. Et tout le monde. Mais heureusement que Marianne va venir. Oui, elle viendra et puis on va aller ensemble, ok? Oui. D'accord. La Bible continue en disant, elle dit, Caïn et Abel étaient deux frères. Leurs parents étaient Adam et Ève. Hein? Adam et Ève avaient combien d'enfants ici? Deux. Deux? Qui est qui? Caïn et... Abel. C'est pas? Caïn et Abel. Oui. Alors, c'est qui? Dis-moi, mais là, c'est qui? Caïn et... Entre ces deux hommes-là, c'est qui Caïn? Alors, dites-moi. On dit, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires, c'est qui Caïn entre ces deux-ci? D'accord. Donc, voilà, on va voir ici, on a Caïn. Caïn. Oui, Caïn, on peut dire Caïn ou Caïn,
Ok? Taïn ou Caïn. Parce que c'est un itrema. Alors, ici, on a Abel. Oui, et Abel était et respectait Dieu. Et Dieu, et c'est Dieu qui aimait plus Abel. Oui, parce que Abel était gentil. Oui, et il respectait les autres de Dieu. Exactement. Quand Dieu disait, ne fais pas ça, Abel, il ne faisait pas. Exactement. Et là, qu'est-ce que la Bible dira? La Bible dit, Abel aimait Dieu et lui obéissait, mais pas Caïn. Il était en colère et a tué Abel. C'était très mal et Dieu était très triste. Le reste de la vie de Caïn a été dur et difficile. Genèse chapitre 4. Alors, qui a tué son frère? Caïn. Oui. Parce qu'il était méchant. Oui. Et surtout jaloux, hein? Oui. Tu sais, quand quelqu'un est jaloux, il peut tuer. La jalousie l'a poussé à tuer son frère. Pourtant, il n'était que deux frères. Oh, mais c'est triste, hein? C'est triste. Oui. Et la différence entre Caïn et Abel, c'était quoi? C'est que Caïn était méchant, mais et Abel était gentil, mais là, c'est parce que Jésus avait choisi Abel. Oui. Parce qu'au début, il respectait Dieu et il voyait l'amour d'Abel. Et c'est pour ça que Dieu avait dit que maintenant c'est Abel son fils. D'accord. Alors, qu'est-ce que Dieu ressent quand tu ne lui obéis pas? Quand nous n'obéissons pas à Dieu, qu'est-ce que Dieu ressent? Il est triste. Ouais. Il est triste, il se sent mal, il est blessé. C'est pour ça qu'il nous punit quand on désobéit à Dieu. On dit dans la Bible, quand on désobéit à Dieu, il pardonne 7 fois. Oui. Parce qu'il pardonne 7 fois. Et s'il avait déjà pardonné 7 fois, et si la personne désobéit encore, ça veut dire que Dieu va lui frapper. Oui, va le frapper. Va le frapper. Oui. Donc, il ne faut jamais désobéir à Dieu. D'accord. Merci. Alors, on va continuer demain. Papa est rentré. On est rentré de la mission. On est fatigué. Et donc, demain, on va continuer. On s'est arrêté aujourd'hui. D'accord? Oui. Que Dieu te bénisse. Amen. Et on invite les gens pour dimanche à 7h30 à la bière. On leur dit quoi pour dimanche? Mouah. Nous vous aimons. Bye. Je dis bye bye. Il y a beaucoup d'enfants qui t'écoutent. Hein? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil par rapport à leurs parents? Comment ils doivent se comporter vis-à-vis des parents à la maison? Qu'est-ce que tu dis à tous les petits-enfants qui te suivent là maintenant? Tous les petits-enfants qui me suivent comme vous me suivez, je vous dis que respectez toujours votre parent. Si votre parent vous disait « Fais pas telle chose », ne faisiez jamais ce que votre parent dit de ne pas faire. Alors, je vous aime. Bye. Bye.